Bonjour à tous. Je profite aujourd'hui du temps clément. On est le 8 octobre 2019. Et j'en ai profité pour replanter mes plants de fraisiers issus de stolons. C'est des plants en mer que j'ai récupérés chez un copain dans un champ. Et puis ce sont des remontants. Je ne sais pas ce que c'est. Il reste encore une fraise ou deux. Je les ai goûtées. On la voit peut-être encore ici. Donc ce seront des remontants, ils vont produire des fraises pendant toute la période juin-septembre, même octobre, il y en a encore une ou deux encore. Et puis je les ai mis sous une bâche spéciale fraise. C'est une bâche apparemment qui transmet 20% de chaleur en plus et elle est perméable. Et par-dessus je mettrai un filet à oiseaux. Voilà, on va voir ce que ça donne. Ce sont les fraisiers, les plantes fraisiers issues du stolon, chez Ressemé, popoté pour ma, ça c'est pour ma fille. Voilà, et ce que je viens de faire un instant, c'est des plants, et j'ai fait tremper des racines. Vous voyez, ça c'est des stolons, les racines sont magnifiques. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer l'évolution des plantations. Donc ici ce sont les cresson. Je commence à sortir. Ils ont été plantés le 23 septembre. Semé 23 septembre. Ça c'est de la roquette. Semé le 11 septembre, en semis en sous serre et ensuite mis en sol, en pleine terre, il y a 2 semaines. Et ça, ce sont des épinards. Pareil, semé le 28 août sous serre et replanté il y a 2-3 semaines. Ça, c'est de la roquette, pardon, de la roquette. Les épinards, ça après. Ça, c'est des épinards. Pareil, planté à la même période, le 28 août, et en pleine terre il y a 2 semaines. Donc, ça commence à bien monter. Ce sont des épinards géants. À côté, c'est la planche de persil. Donc le persil, je l'ai semé, il est là, dans la tomate, ça commence bien à bien pousser, à partout, tout arrangé. J'ai planté beaucoup de pots. Ça, ce sont les gros radis, je ne sais pas si vous les voyez. Là, le ruban. C'est des radis marqués pour pouvoir les semer l'année prochaine et tu récoltes les graines. Donc ce sont des radis géants, rouges. Ils font à peu près 20 cm de long. Allez. Ils sont énormes. À côté, il y a les betteraves. Ça va, ça pousse tout doucement, c'est beau, c'est propre. Pas de problème, pas de maladie, rien. Là, ce sont des épinards, mais des épinards que j'avais semés un peu trop tôt au mois d'août. Ils sont tous montés en graines. Je les ai laissés. Et puis je vais voir ce que je vais en faire. Je ne sais pas si je vais les récupérer pour les graines ou alors je ne sais pas. Je verrai. On va se passer. Il y a les radis derrière. Les radis longs. Énormes. Ça, ce sont les carottes. Bon, bah, elles sont pas encore cuites. Hein. Elles sont pas cuites les carottes. C'est pas trop tôt. Mais voilà, dans 1 mois, dans 2 mois.
Voilà. Là-bas sont des poireaux. Et tout au fond du cresson. Voilà. Bon, maintenant je vais ranger tout ça. Et à très bientôt. Au revoir.